Je m'appelle Lucas, j'ai 18 ans, j'habite dans les Vosges, à Épinal. Il y a 2 ans maintenant, j'ai commencé à faire des reprises sur Internet de plein d'artistes que j'aime bien, groupes français. Je n'ai jamais eu l'intention de ressembler vocalement à cet artiste. Mais quand je parle, j'ai le même timbre que lui. Mais c'est pas tout le temps, ça arrive parfois dans les intonations de fin de phrase ou début. Ah ouais, j'aime beaucoup cet artiste, je l'adore, j'ai été le voir à Nancy. J'écoute très, très souvent, donc oui, c'est un coup de cœur. C'est vrai que c'est surprenant, flagrant, flatteur de savoir que je ressemble et que je vais pouvoir, disons, représenter l'artiste dans l'émission. Nos experts n'ont pas vu ces images de Lucas. Ah, je suis encore caché. Et certains vont d'ailleurs vivre le début de la prestation à l'aveugle. Et oui, Jarry et Michael Gregorio seront cachés alors que Véronique Dicker et Liane Folly, dans leur cube insonorisé, devront deviner la voix de star de Lucas rien qu'en observant ses attitudes. Réussirez-vous à deviner avant nos expertes? Alors cette fois-ci, vous allez partager leur expérience et donc pour vous laisser jouer dans les mêmes conditions qu'elles, on vous coupe le son. Que c'est un rappeur parce que ça va vite, il y a beaucoup de mots. Putain, énorme. C'est oral sang. Que les livres, je préfère être seul, donc je suis plus content quand il pleut. Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu. J'ai 7 ans, la vie est facile. Quand je sais pas, je demande à ma mère. Un jour, elle m'a dit, je sais pas tout. J'ai perdu foi en l'univers. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je balais les feuilles mortes sur le terrain. Le froid me fait des cloques sur les mains. J'ai 10 ans, je suis fan de basket. Je m'habille en petit américain. Mon père, mon héros, m'a offert les Jordan 8 okay. Avec les scratchs. Yes. Donc yes. Je fais tout pour le rendre fier. Quand il vient me voir à tous les matchs, je rentre au collège, on me traite de bourge. Normal, mes chaussures coûtent une blinde. Je veux plus les mettre, mon père s'énerve. Toi, t'as tout, nous, on n'avait rien. À 12 ans, je fous le bordel en cours pour essayer de me faire des potes. Le prof de musique se fout en l'air, il est au paradis des profs. À 11 ans, je voulais juste en avoir 13. À 13 ans, j'étais pressé de voir le reste. Incroyable! Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Souvent, je suis tombé amoureux, mais pour une fois, c'est réciproque. J'abandonne lâchement tous mes potes, j'appuie que ma meuf, on fume des clopes. 14 ans, je suis juste un fantôme, du moins, c'est ce que disent mes parents. Chérie veut que je traîne plus qu'avec elle, même fait la gueule tout le temps. Vu que je déménage, ça ne sait pas. C'est impressionnant, le ton, le phrasé. Mon frangin m'éclate au basket, alors je préfère abandonner. J'ai 15 ans, je regarde qui tambour, je traîne avec des gars comme Casper. Mon père est sévère avec moi, donc je le répercute sur mon frère. À 15 ans, je voulais juste en avoir 16. À 16 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Bravo. Merci beaucoup. Bravo Lucas. Bravo, ouais. Félicitations. Super. C'est étonnant, non? Ouais. Même c'est génial. Même quand ici, merci beaucoup. Ah. Il a dit merci beaucoup. Vous pouvez redire merci beaucoup, Lucas? Merci beaucoup. Ah, bah, tu vois, merci beaucoup, Lucas. Ah, c'est incroyable. Vous êtes là. Ah là là, Jarry, alors? Ah, bah, moi, j'ai été bluffé dès le premier mot. Je trouve ça incroyable. Vous êtes de quelle région? Des Vosges. Ah, j'ai eu peur qu'il score. La Lorraine. La Lorraine. Non, c'est incroyable, franchement. Les intonations, le rythme, la musicalité, puis je sais pas, le placement, vous êtes posé, vous êtes tranquille, vous êtes en très mode... Cool. En nonchalance un peu, non? Ouais, c'est, franchement, pour moi, c'est un grand oui. Et très souriant. Ah oui. Et bien, voilà, merci. Un premier oui pour vous, Lucas. Liane? Ah oui, mais moi, je suis d'accord avec Jarry, et c'est vraiment un artiste que j'affectionne particulièrement.
Et même si c'est un décalage de génération, et c'est surtout la justesse des intonations au niveau chant et parler, toujours pareil là. Et donc, ben moi, je vais dire oui à Lucas. Eh bien, voilà, deuxième oui. Merci. Pour vous, Lucas. Alors, on va laisser Véronique réfléchir. Mais Mickaël, Grégorio, c'est à vous de prononcer. Moi, c'est un oui, évidemment. Ah, voilà. Et bien, voilà, un grand oui. Mais c'est bien, parce que, voilà, oui, c'est pas rien dire. On n'a pas l'habitude de l'entendre, oui. En fait, ça, mais ouais. C'est chouette d'être témoin de sa génération. Là, bravo, ouais. C'est cool. Vraiment super. Merci. Félicitations. Vous êtes d'ores et déjà qualifiés. On peut vous applaudir, ben, voilà. Lucas. Véronique, je vais quand même vous demander de vous prononcer. Mais je vais dire oui. Mais voilà. Mais un quatrième oui. Je suis désolée. Vous êtes qualifiée. Mais j'ai tellement super, merci. J'adore, parce que même qualifiée, ouais, super. Ouais, mais il est cool. Mais vous êtes qualifiée pour le vote ultime qui va peut-être vous permettre d'aller en finale. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah, je suis étudiant. En quoi? En commerce. J'adore l'idée. Vous êtes jeune. 19 oui, oui. ans, 19 ans. Oh, 19 ans. C'est un bébé. Bravo. Un bébé. Venez avec moi. Bravo. Merci. Ça on se retrouve pour la suite. À bientôt. Au revoir. Bravo. Salut. Salut. Ça pourrait être mon fils. Merci beaucoup. Ça pourrait être le mien. Et moi, mon petit-fils.